Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez passionnant, qui est qu'est-ce que c'est qu'une caméra de cinéma? Voilà, à partir de quand on considère que nous avons dans notre tiroir une caméra de cinéma? Alors, tout comme le sujet que j'ai fait précédemment sur les objectifs cinéma, eh bien là, je vais parler du corps caméra, de savoir comment, bah voilà, est-ce que la caméra que j'ai achetée, la caméra qu'on m'a vendue en tant que caméra de cinéma, est-elle vraiment une caméra pour faire du cinéma? Alors, avant toute chose, comme nous sommes à peu près bientôt au mois de mai et que c'est l'heure des orientations scolaires, eh bien, je vous propose une très vieille vidéo qui a presque 2 ans, mais qui est toujours d'actualité, que je vous mets dans la petite fiche ici pour vous orienter sur les études audiovisuelles. Voilà, si tu es un peu jeune et que tu désires faire ce métier et que tu ne sais pas quelle école ou comment rentrer dans ce métier audiovisuel, eh bien, je te donne quelques petites astuces dans cette vieille vidéo. Revenons à notre sujet. Donc pour aborder ce petit thème, on va partir dans deux directions. La première est, on va dire, plutôt technique. Rentrons directement dans le sujet. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, la projection, elle est pratiquement 100% numérique. C'est-à-dire que tu ne vois plus une projection argentique, projection d'un positif derrière une ampoule, etc., etc. C'est fini. Maintenant, ce sont des projections numériques. Qui dit projection numérique dit forcément une norme. Et la norme de projection, c'est ce qu'on appelle le DCP. Le Digital Cinema Package. En fait, cette norme, qui en fait, on ne projette pas un fichier Apple ProRes ou un fichier H.264 ou un DV, rien du tout, on projette donc une norme de DCP. Mais voilà, le DCP est une norme et ce qu'on y met dans le DCP peut provenir d'un H.264, d'un Apple ProRes, de n'importe quel autre codec. Là-dessus, il n'y a absolument rien qui est normé et d'ailleurs, c'est bien dommage. C'est pas comme Netflix où Netflix propose un catalogue exact des caméras qui sont autorisés ou pas à être utilisés pour la production d'un film, dans le but d'être diffusé sur Netflix. Ici, au cinéma, il n'y a pas de catalogue. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça a été tellement un bordel du fait que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qu'on a mis jusqu'à présent tout et n'importe quoi dans ce DCP. Alors, on y a mis, avant même que le DCP soit vraiment utilisé, on projetait encore du 35 mm positif. Et dans ce 35 mm positif, c'est arrivé même qu'on encapsule des films qui étaient tournés en Super 16 et qui étaient gonflés en 35. Alors, quel était l'avantage? Ça permettait d'avoir une certaine économie de la pellicule, du labo, etc., de tout le traitement de labo, de tourner son film en 16 mm, et une fois que le film est monté et entre guillemets masterisé, on va le gonfler, ça veut dire qu'on va l'agrandir sous une forme physique d'une pellicule 35 mm. C'est une façon économique. Mais on est allé beaucoup plus loin. On est allé sur le fait de tourner carrément un film en numérique et de le gonfler, enfin pas de le gonfler, mais plutôt de le recoucher sur une surface cellulose telle que, évidemment, la surface argentique positive. Je prends l'exemple, le film en 2003 de Colin Serrault qui s'appelle 18 ans après. 18 ans après est un long métrage, donc de Colin Serrault, qui reprend 15 ans après le fameux film 3 hommes et un couffin. Ce dernier était à l'époque tourné en 35, projeté en 35, voilà, mais Colin Serrault avait décidé à l'époque, en 2003, de tourner carrément son film en DV. Voilà, alors le DV, si t'as 18 ans, ça te parle pas, mais si t'en as mon âge 40, ça te parle. Le DV, c'était vraiment le premier format en 25 mégabits par seconde, en 4.2.0 8 bits et surtout en 576 lignes. Ouais, on n'est même pas sur du HD Ready, hein. On est vraiment sur du 576 et en plus en entrelacé. Et donc, elle a fait un film en 576 lignes entrelacé. À l'époque, gonflé sur du 35, autant te dire que c'était dégueulasse. Mais c'était une volonté artistique. Voilà, mais ça c'était avant parce que maintenant il n'y a plus de surface photosensible qui est projetée. On est carrément sur des normes numériques. Mais pareil, dans la norme numérique, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le problème n'est pas résolu parce qu'aujourd'hui, dans ton DCP, tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre du H.264 si tu as envie. Un peu comme le film Rubber, hein, qui a été tourné en Canon 5D et qui a été après mis sous forme de DCP. Oui, il n'y a aucune norme, il n'y a rien qui régit tout ça. Et en gros, dans ton DCP, tu peux faire mettre n'importe quoi. Toi-même, tu peux faire ton DCP. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je te remets un petit lien ici de la petite fiche qui t'explique comment faire ton DCP gratuitement et tu peux même le faire à partir de l'iPhone. Mais voilà,
le DCP en lui-même. Mais quelles normes il y a à l'intérieur du DCP? Alors, il y a des normes qui sont très strictes. Déjà, c'est compressé en JPEG 2000, donc c'est une suite d'images JPEG 2000. Donc, du coup, c'est une compression, on va dire, intra. J'espère que je raconte pas des conneries. Et ensuite, il y a des normes en tant que résolution. Dans le cinéma, il y a deux résolutions qui existent, qui est le 2.35 et enfin le 1.85. Je vous mets ici, hop, les petites résolutions qui s'affichent en fonction si vous êtes en 2K ou en 4K. Et ensuite, le JPEG 2000 est quantifié en 12 bits. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être techniquement irréprochable pour le DCP, il faut une caméra qui fasse du 2K ou du 4K. Du 4K, ça serait quand même un peu mieux. Mais ça coûte encore cher de faire une production 4K. Hein. Faut pas oublier, surtout s'il y a des effets spéciaux. Du 12 bits, et c'est tout, quoi. Mais alors, je te vois venir, toi, derrière ton petit écran, là. Oui, je te vois venir. T'es en train de te dire, j'ai acheté une Blackmagic Pocket 4K avec ma petite mise à jour en bronze, et là, j'ai du 12 bits. Et là, t'es en train de te dire, et je vois ton œil qui pétille, que ta caméra Blackmagic Pocket serait alors une caméra de cinéma. Oui, parce qu'en bro, tu fais du 12 bits, tu fais du 4K, tu fais du cinéma. T'es pas content là, hein? T'as envie que je te dise abonne-toi, mets ton petit pouce bleu et à ciao la prochaine fois, hein? T'as envie que je te dise ça? Eh ben non, parce qu'en termes techniques, ça répond. Mais en termes pratiques, en termes logistiques, qu'est-ce que ça dit tout ça? Maintenant, pourquoi, quand on fait du cinéma, on tourne principalement en Arri, en Sony Venice, en RAID? Principalement, ces trois caméras qui tournent dans le cinéma. Alors, j'ai déjà fait une vidéo et hop, c'est reparti pour une petite fiche pourquoi les chefs opérateurs tournaient en Arri. Mais pas que. En fait, ce qui est important, c'est qu'une caméra de cinéma est une caméra qui doit répondre à une certaine ergonomie d'accessoires. Oui, parce que les accessoires qui viennent greffer un corps caméra, il y en a plusieurs. Il y a un follow focus, une matbox, évidemment des optiques généralement en monture PL, des alimentations pour alimenter tout le petit bordel des moniteurs, une vidéo HF, etc. etc. Et donc le fait d'avoir tous ces petits accessoires qui viennent se greffer sur la caméra, cette fameuse caméra de cinéma, ça demande de la part de cette dernière d'avoir quelques sorties indispensables, telles que par exemple une vraie sortie HD-SDI et non pas une sortie HDMI, des alimentations externes de la caméra, généralement en LEMO de broche, regarde la photo, et puis un système de visserie un peu partout pour pouvoir accrocher des petits bras magiques pour accrocher tous ces petits accessoires. Et ensuite, différents accessoires qu'on vient mettre, et puis surtout une ergonomie qui permet à la caméra à la fois de se mettre à l'épaule, sur un steadicam, sur pied, sur une grue, bref, un peu partout. Et c'est là que d'un seul coup, quand je viens d'énumérer tout ce que je viens de dire, eh bien, votre Blackmagic Pocket, malheureusement, elle ne tient pas le coup. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire d'ailleurs. Tu sais, je t'entends, hein. Je t'entends. Tu es en train de te dire, ouais, mais bon, on s'en fout, quoi. Et non, on s'en fout pas, parce que, en fait, si vous voulez, quand vous travaillez et que vous partez sur un tournage de 40, 50, 80 jours, et vous avez besoin de tous ces petits riens qui vous permettent quand même, pas pour toi, chef opérateur, mais pour les assistants, de pouvoir travailler convenablement. Convenablement. D'avoir des sorties HD-SDI pour pouvoir mieux alimenter les retours et surtout d'avoir des connectiques fiables et résistantes, des sorties LEMO 2 broches ou 4 broches dans les alimentations externes qui permettent donc d'avoir des alimentations qui n'ont pas de jeu comme les vieux D-Tape tout pourris qui se détachent facilement au moindre mouvement de caméra, et enfin aussi les tiges de 15 et de 19 mm qui viennent se mettre en façade de la caméra pour recevoir les accessoires tels qu'un follow focus, un pare-soleil qui va recevoir les filtres, bref, ça fait partie des accessoires indispensables sur une caméra de cinéma. Et surtout une ergonomie à l'épaule pour faire de l'épaule, de la caméra épaule, qui soit pratique, équilibré et surtout très ergonomique avec le viseur et tout. Et que ça soit pas tout ça, ne ressemble pas à du bricolage. C'est pour ça que oui, ta Blackmagic ou n'importe quelle caméra qui pourrait répondre à faire du 4-4-4 12 bits pourrait fonctionner si et seulement si il y avait derrière tout ça des sorties et une ergonomie qui fonctionne. C'est pour ça, la caméra de cinéma idéale serait certainement un genre de petit bloc de caméra avec ses différentes sorties qui pourrait se monter de façon très réduite pour aller éventuellement sur un Ronin ou une façon beaucoup plus longue et ergonomique pour être sur un pied ou une épaule. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est orienté sur des caméras, on va dire, bloc, comme RED Epic qui a lancé pour la première fois une caméra bloc, et Arri qui a suivi avec l'Alexa Mini. Et Sony qui a fait de même, sauf qu'ils ont fait autrement, ils ont fait plutôt une extension via un câble. Voilà peut-être à quoi ressemble une caméra de cinéma. Voilà, alors si toi, possesseur de caméra en 12 bits, tu te dis, ouh, pourquoi ma caméra ne peut pas le faire? N'oublie pas une chose pour te rassurer, c'est qu'il faut pas oublier que ce qui fait l'image, que ce soit un film, un téléfilm, une série ou n'importe quoi, c'est pas ta caméra qui la fera.
c'est toi, opérateur, qui maîtrise tous ces instruments et la lumière, qui fera de belles images. Sur ce, à bientôt, le bon pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et on se dit à très vite. Ciao !